Bonjour et bienvenue au Heartbreak Coffee. Alors, bonjour à tous. Ça sera une petite vidéo news, FAQ, tout ce qu'il faut. Alors, en premier, je voulais dire que je serai à Japan Sun avec cet énergumène, toute l'amicale du geek en fait. Ouais, toute l'équipe. Les deux. Oui, les deux. À Japan Sun, donc le 3 et 4 mai à Fabregues. Voilà. Donc venez, c'est à côté de Montpellier, Viendez. Il y aura le fossoyeur de film. Moi j'aime bien moi. Après, deuxième point, j'ai un Tipeee, donc envoyez des sous. Non mais oui, parce qu'il me faut 5 tipeurs pour être mis en avant et pour pouvoir faire de nouvelles vidéos avec un peu plus de budget. Voilà, donc... Vous pouvez donner 1€, 2€. 1€, ouais, 1€ c'est bien. Ah, putain il a morflé celui-là. Ouais, ça c'est un vieux exemplaire. Donc, groupe 284, ça c'est mon dernier bouquin, je l'aurai à Fabregues pour les dédicaces si vous voulez. Et aussi sur le Tipeee, vous pouvez l'avoir en donnant, je crois, 25€, ouais, ou 15, je sais plus. Enfin, allez voir sur le Tipeee. Il faut avoir des PDF aussi. Voilà, des PDF. Il faut attendre longtemps pour les avoir. Oui, alors après, j'avais une autre news, c'était je vais lancer une nouvelle chaîne, ça sera la chaîne Oui ou Non, avec 64 vidéos où je dis oui ou non. Ça sera des petits sketchs avec à la fois du what the fuck et du de l'énigmatique en fait, avec une énigme à résoudre au final. Bon voilà, donc ça sera pour dans pas longtemps. Je mets un lien là, regarde, sur la tête de James. S'il n'y a pas de lien actuellement, c'est que la chaîne n'est pas encore sortie. Et maintenant, on va faire place au FAQ. Vous m'avez envoyé 11 mails, ce qui est pas mal à l'heure actuelle, j'ai envie de dire... Et que je ne sais pas du tout quelles sont les questions, donc voilà. Moi non plus, hein, je découvre. Donc, allez, vas-y, pose-moi la première question, Jeps. Je vois pas en plus, il y a un reflet, donc... Pourquoi tu ferais pas des petits jeux concours avec tes vidéos pour faire gagner des cadeaux? Ça te ferait des nouveaux vues, ça te ferait des vues et des nouveaux followers. Des petits cadeaux et des vues, oui. Mais justement, à la fin de la chaîne Oui ou Non, il y aura un petit cadeau à gagner. Voilà, si vous résolvez l'énigme. T'es radin, donc tu ne nous offriras pas de cadeaux. Pas pour le moment, enfin, je sais pas, envoyez des sous sur le Tipeee déjà. Envoyez des sous et il vous achètera des cadeaux avec ces sous-là. Voilà, ça c'est bien. Quand est-ce que tu prends ton envol? Oui, bientôt, c'est prévu. D'accord. Je pourrais être le prochain à acheter ton iPhone 5 quand le 6 sortira. C'est un iPhone 5S, mais oui, si tu veux, oui. Quand tu seras célèbre, tu prendras le melon? Le melon, la poire... Tous les fruits de la passion. Oui. Non. Je sais rien, je suis pas célèbre alors. Alors, McDo, Quick ou KFC? Ah, les tenders de KFC là, ils me font bien envie, tu vois. Mais un petit McDo. Ah, le Quick, il y a le chicken barbecue là. Pff, c'est une tuerie. Oui. Quel est ton film et jeu vidéo préféré? Mon film préféré, il y en a beaucoup trop. Mais là, tout de suite, j'ai envie de dire les Goonies. Les Goonies, mais... Parce que il y a vraiment des Goonies. Il y a le 2 qui a annoncé, donc voilà, c'est le premier qui me passe par la tête. Et les jeux vidéo? Jeux vidéo, The Longest Journey. Un vieux pot and click qui déchire. Voilà. Tu m'inviteras à ton mariage? Oui. Il est célibataire d'ailleurs. Oui. Mais... Bon, merci à Julien pour ces questions. On va passer à une autre. Darkins. Oh my geek. Attention. Si tu étais à vendre, quel serait ton prix? Ça dépend pour quelle est l'utilité de... Les questions de merde. Je suis prêt à donner 10 euros. 10 euros ce sera une référence pour une future vidéo. Ouais, d'accord. Voilà. Allez voir les prochaines vidéos, revenez. Qui est donc ce mec génial avec vous dans plusieurs vidéos, hormis James et toi? Ce serait pas Ben de Oh My Geeks, mais il a l'air Darkins. T'es dans aucune vidéo pour l'instant de Oui, Star, il est pas sorti. Mais que sur ma chaîne d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne. Cupcake Nicolas Cage. Oh putain, je vais me coquer. Je vais me faire chier à coller un Cupcake Nicolas Cage. Attention, pour toi James, c'est un concurrent ou un allié? Attention. C'est la concurrence parce qu'il a plus de fans sur Facebook, c'est pas normal. Hey, posez. Mais il en a moins sur YouTube. Ouais. Donc ça va. Abonnez-vous à la chaîne. Cupcake Nicolas Cage. Ah non, putain. Mais les deux, on va dire. Les deux. Hey, hey. Et inversement. Et proportionnel. Exactement. Et équilatéral. Voilà. Finalement, c'est quoi le secret des mouches? Eh bien, le secret des mouches fait review que c'est en vérité. Où tu trouves tes idées? J'ai envie de dire des TC, mais on est sur Internet. Bon, on va pas se baisser à ce niveau. Exactement. J'ai envie de dire.
Mais je les trouve dans ma tête. Alors plutôt Star Wars ou Star Trek? Mais je dirais Star Trek. Connard de Trekkies. Quelle est ta série préférée et pourquoi? Non, tes séries. Quelles sont tes séries préférées? Tes séries préférées? Stargate, parce qu'il y a des étoiles. Star Trek, parce qu'il y a des étoiles. Il y a des treks. Doctor Who, parce qu'il y a des étoiles. Scrubs, j'en suis à la saison 3, donc je peux pas encore juger sur l'intégralité, quoi. Voilà. Et pourquoi? Série préférée, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des étoiles. D'accord. Qui est le mec génial avec vous dans votre vidéo des Gardiens de la Galaxie? Mais c'est ma vidéo, c'est pas la sienne. Ça n'a rien à voir. Si qu'on fait les chaînes, maintenant ouais. Ça va plus aller, quoi. Je peux pas répondre à cette question, c'est hors sujet. C'est hors sujet. Comment faites-vous pour avoir des opportunités de films et de filmer des trucs pour Gaumont? Et ben, c'est grâce à lui. C'est grâce à moi. Voilà. C'est grâce à Maya. Et Maya du cinéma. Vas-tu trouver une femme digne de toi un jour? Une fan ou une femme? Une fan-femme. Une fan. Oui, peut-être. Quels sont tes projets à l'avenir? Finir Hardcore Johnson, ça serait pas mal. Pourquoi il se marre? Parce que ce sera jamais fini, ces trucs. Ah non. Projet à l'avenir. Bah oui ou non? YouTube, quoi, ouais, ou non. Et après, dans un avenir très lointain, grand cinéma, des effets spéciaux, porter ce bouquin à l'écran, enfin voilà, il faut un budget de 83 000 euros environ. Il faut montrer la belle image qu'il y a derrière. Eh, hey, beau gosse. Quand va-t-on enfin découvrir le secret des mouches? Eh ben, juste après, tout juste après. Alors, plutôt caleçon ou slip à développer, évidemment, pour tous les hommes à la recherche du confort ultime? Boxer. Tu veux voir, j'ai un Star Trek là. Non, mais non, j'ai pas envie de voir ça. Star Trek. Alors, vu que Sega c'est plus fort que toi et que rien n'est plus fort que le Roquefort, si on fait affronter un Roquefort et une Sega, qui gagnera selon toi? Très très bonne question. À développer dans une future vidéo. J'ai envie de dire oui. Avec Sistit, est-ce que vous avez des enfants? Ben non, c'est mon assistante. C'est sa cousine? Non, c'est mon assistante. Assistante cousine? Non. D'accord. Comment on fait des bébés? Mais figurez-vous qu'en vérité, c'est comme le secret des mouches, il suffit juste de... Est-ce que tu lui as touché les tétons? Oui. Attention, alors une guest de guest. Charlotte Delila, ah ah. Qui te demande, quand tu pètes, est-ce que tu trouves ton slip? J'ai envie de dire prout. Réveil joke. Je vais te poser la dernière question, la question à laquelle seul un homme peut répondre, la question que tu n'as jamais te poser, docteur qui? Eh bien, c'est comme le secret des moules, j'ai envie de dire que... Que penses-tu des dragons? Les dragons, c'est grand. Pourquoi avoir choisi un phénix pour ton pseudo? Parce que les phénix, ça renaît de leur sang, donc ça devient immortel, donc ça me fait plonger dans l'immortalité certaine. C'est profond ce que je dis. Exactement. Quel est ton livre préféré, ton film préféré? Aimes-tu les... Ah, oh, doucement. Alors, doucement. Ton livre préféré. À la fois. Ton livre préféré. Mon livre préféré. Ton film préféré, tu as déjà répondu, c'est les Goonies. Non, j'ai envie de changer maintenant. Vas-y. J'ai envie de dire Matrix. Le 1, le 2 ou le 3? Matrix en général. Il n'y a que le 1 de bien. Les deux autres. Non, les autres sont bien. Moi, j'aime bien moi, les autres. Aimes-tu les animés manga? Si oui, les 6 que tu aimes. 6? Les animés? Ouais. Je sais pas, des masses. J'aime pas les mangas. Non, si, j'aime bien les mangas. Ça passe moyen, quoi. Mais j'en ai pas maté. Si, bah si. On va dire le château dans le ciel, le château ambulant, ça fait Chihiro, voilà, ça fait 3. Ouais, tous les Miyazaki, quoi. Ouais, Miyazaki, en fait, je crois que c'est le seul que j'ai. Peut-être Pokémon, le film, le 2, il est bien. Si? Quel est le sens de la vie? Moi, je pense que c'est tout droit, certain, 42, mais toi, quel est ton avis? Oui. Pourquoi patate ou frites? Frites, c'est... Non, mais j'ai... Pouh, là, là, mais qu'est-ce que quoi? Frites. Les chats sont-ils dangereux? Non, mais les chats, c'est des connards. À ton avis, que ce sont les aliens ou les zombies qui vont finir nous attaquer en premier? Les aliens, ils nous ont déjà attaqués, ils nous ont déjà eu, quoi. Regarde les dinosaures. Donc, il manque que les zombies. Pour finir, sais-tu ce qu'un tardigrade? Un tardigrade, je pense que c'est un appareil pour mesurer les TARDIS. Et est-ce la réponse, que les fautes d'orthographe te gênent? Moyen.
Il y en a qui piquent le ça va avec un S, ça pique quand même. Ça va. Et la dernière, The Last One. La meilleure, je crois. Attention. Aïe, aïe, aïe. Coucou. Tu veux voir ma bite? Mais c'est qui ça, quoi? C'est Isa. Putain. Oui. C'était vraiment des questions. Merci pour vos questions. Qui valaient le coup. Hein. Donc maintenant, je voulais faire un petit rappel sur les prochaines vidéos. Donc il y en a une qui sera au cinéma vendredi le 11 avril au Gaumont Multiplex de Montpellier. Venez donc voir l'avant-première de Need for Speed. Besoin de vitesse. Et oui, la vidéo s'appellera Besoin de vitesse. Prochaine vidéo, la fée de l'internet, j'en dis pas plus. Mais c'est déjà assez équivoque. Juste des mots. Ensuite, plus loin dans un futur un peu plus lointain, il y aura la Dark Zone. Ah, c'est le titre définitif ça? Je pense, ouais. Enfin, le premier épisode de la Dark Zone. Une sorte de quatrième dimension, la Twilight Zone, mais version Phoenix Dark, avait des trucs un petit peu chelous. En fait. C'est pas sûr que ça sorte, en fait, parce que ça se trouve, la vidéo est totalement ratée, tellement il y aura des effets, en fait, je sais pas. Donc voilà, dans un avenir prochain, la Dark Zone sur des miroirs, voilà. Un unicorn que j'ai fait avec Léo Attali, qui sera, il n'y a pas encore de titre, mais ça parlera de pétanque. Et t'en as déjà fait un, de unicorn? Ouais, j'en ai déjà fait un, de petit unicorn, que vous pouvez voir juste ici. Sur ma gueule. Si, si, sur ta gueule, voilà. Et donc, ouais, le prochain unicorn, il parlera de pétanque, faut que je le monte, voilà, donc peut-être dans une ou deux semaines. Et enfin, il y aura Hardcore Johnson dans un futur beaucoup plus loin, parce qu'il reste encore 19 scènes sur 20 à tourner. Donc, voilà. Et un dernier appel, c'était pour dire d'aller liker ma page Facebook, d'aller follower mon Twitter, d'aller voir mon Google+, parce qu'il y en a qui aiment Google+. Oui, il y en a. Vous abonnez à ma chaîne. Cupcake. Abonnez-vous à ma chaîne, à moi. Cupcake Nicolas Cage. Et voilà, il y a marqué cliquez, bande de salopes. Voilà, ben voilà. Et venez à la Japan Sun le 3 et 4 mai. Donc Japan Sun, venez au cinéma vendredi si vous n'avez rien à faire et si cette vidéo sort à temps. Et je vous dis, tchou plus. Et au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Oui.